va aujourd'hui? Très bien. Très bien. Et vous, comment? Et vous, merci. Oui, on espère que tout le monde va bien. Vous êtes où aujourd'hui? On est au parc Spirou. Exactement. Et qu'est-ce que vous apprêtez à faire? Des attractions à sensations. Des attractions à sensations fortes, effectivement. Pour moi et pour Léo. Tout à fait. Alors, bien sûr, vous n'avez pas le même âge, pas la même taille. Voilà. Donc, pour Swan, attraction à sensations fortes, on vous montrera ça. Il y a le nid des marsupilamis. Il y a également le Spirou Racing. Pour Néo, il va y avoir cette petite tour en chute libre. Hein, Néo? Ouais. Et il va y avoir également, donc celle-là, c'est la Zombielandium Tower. Il va y avoir également l'attraction que vous voyez là-bas tout au fond, comme dans un avion, en fait, comme une hélice d'avion. Et c'est pareil, ça va décoiffer. Ça s'appelle Et vive Bulgrose. Néo, t'es pas dans l'attraction en fait, hein. Tu fais bien le malin, mais tout à l'heure quand tu vas être assis dans la vraie, ça va être la même. Hein. Ah ouais. Swan, t'es prêt pour les sensations fortes? Ouais. Allez, on est parti. Non, pas tout de suite. Tu vois, Néo, dès que tu as ton permis, on te prend ça. Voilà, parfait. C'est pratique, ça se faufile et c'est discret, c'est bon. Voilà ce que nous allons tester maintenant. Swan y tient absolument. Néo est impatient aussi. Je pense qu'on va avoir un peu peur quand même, hein. Donc là, on monte jusque là-haut, regardez. Et après, on descend, c'est comme un espèce de parcours de billes, en fait. Ouais, c'est parti, je suis hyper impatient, moi. Vous êtes prêts, on monte dedans? Ouais. Attends, on va voir quand même ce qui arrive aux gens. Ouais, allez. On va quand même se rendre compte de ce qui nous attend. Allez, c'est parti. Oui, ça descend bien quand même. Et là, comme ça balance. Vous êtes sûr, on le fait? Oui. Oui, allez, on le fait. En plus, c'est à partir d'1m20, donc même Swan peut monter dedans. La taille. C'est parfait. Alors en fait, en dessous de chaque attraction, il y a l'explication en BD, puisque chaque attraction est issue d'une des bandes dessinées. Donc là, c'est issu du nid des marsupilamis, tout simplement. Et nous voilà installés. Du coup, je suis avec petit Swan. Et Néo, lui, est monté de l'autre côté. Wouhou, ça va, mon chat? Oui. Néo, lui, il a pris la GoPro, du coup. Il va vous faire des plans de l'autre côté. On monte. On a une super vue sur tout le parc. C'est parti pour l'attraction. Regardez, on la voit bien un peu là. Voilà. Ouais, elle a bien sympa. Là, on monte pour l'instant. Et derrière, il y a Swan et maman. Voilà. On est tout en haut. Oula. Donc, voici la descente. Elle est trop bien. Ah ouais. J'ai fait exprès de ne pas parler, sinon j'allais m'envoler. T'as cru que t'allais t'envoler, petit cœur? Ça faisait des émotions quand même, hein. C'est plus dur ce que je pensais. Ah ben oui, tu vois. C'est pour les courageux, hein. On vient de sortir du nid des marsupilamis et clairement ça secoue, hein. Bon, c'était super. Ouais. Alors Néo, toi, tes impressions? C'est pas mal, hein. Ouais, ça m'a plu. Ça t'a plu? Ouais. C'est gros quand même. Swan, il a eu un petit peu les chocottes quand même, hein. Mais finalement, t'es prêt à le refaire ou pas? Un tout petit peu. Nous nous apprêtons à tester le Spirou Racing. Waouh. Mais Swan est d'accord, ça a l'air très impressionnant au niveau des rails, mais en fait c'est accessible même aux petits, à partir d'un mètre, accompagné, et à partir d'1m30 tout seul. Et bien sûr, Swan suit l'explication en BD. Dans la file d'attente, il y a plusieurs bolides. Enfin, je sais pas si on peut appeler celui-ci un bolide. Et là, il y a Spirou et Spip. Vous trouvez pas qu'il a des faux airs avec Nuts un petit peu quand même, hein? Attention, regarde le coquin, il s'était caché. Voilà, nous allons monter là-dedans, dans ce bolide. Ah, et ça a l'air de bien grimper, petit Swan, hein. Je pense qu'on va avoir des jolies sensations. C'est parti, Swan s'installe, je vais le rejoindre. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Tu as peur? Un petit peu? Ça va bien se passer, mon chat. Allez, nous sommes partis. Il n'y a rien, c'est léger. Pour l'instant, tout va bien. Et ensuite, waouh, t'as vu ça? Ouais, du coup, c'est parti pour l'attraction Spirou, voilà. C'est un grand 8. Ah, c'est sympa, bien coloré avec les couleurs du costume de Spirou. Ah,
Donc c'est parti pour la montée. Ça monte fort là, hein. Attention. T'es prêt? Ah super, allez go. Et après ça va sacrément descendre, hein. Ça va aller, petit cœur. Allez, on descend. Bien sympa, les sensations sont cool. J'espère que Swan ça ira pour lui, hein. Est-ce que t'as eu peur? Ouais. Est-ce que tu serais quand même d'accord pour la refaire un peu plus tard? Ok. Alors c'était comment? C'était impressionnant. Non mais des fois j'imaginais que j'allais traverser le fauteuil. Bon toi Néo, ouais, tranquille. Ça t'a plu quand même? Oui. Elle est pas mal, hein? Ouais. Elle réveille bien. Nous voici maintenant chez Lucky Luke, nous allons tenter le petit train. Ah, vous êtes beau comme ça, hein. T'as vu Swan? C'est rond ton plan. Et là-bas, regarde qui il surveille. Les Dalton. Et alors ça, c'est super. Dans les files d'attente, regardez. Il y a des brumisateurs. Oh, le pied. Mais ce n'est pas le dernier tour, on a plusieurs. On va faire un autre tour, très bien. Maintenant les vives bulgreuses, donc c'est l'attraction dédiée au méchant qui est ici là, un savant génial mais cruel, enfin ça dépend des moments. T'es prêt Néo? Ouais. Allez go. On est prêt. On est pareil. C'est un peu doux pour l'instant. Pas bon longtemps. Non mais non, on est en hauteur. On est en quelle horreur. Tu croyais que c'était délire? C'est horrible, horrible. Néo, on est coincé. Néo, l'attraction s'est arrêtée. Bonne nuit Néo, reste là. Oh. Ouh, on redescend. Bien. Est-ce que tu as eu peur? Ouais, j'ai eu assez peur quand même, c'était assez spécial comme attraction.
Tu prends dans, qu'on reste dans le ciel et tout, ouais. En fait, ce qui a beaucoup inquiété Néo, c'est quand on est resté un moment. Ouais, c'était chaud quand même. Ça dure une fraction de seconde, mais comme j'ai dit à Néo que certainement l'attraction était en panne, qu'il nous laissait là toute la nuit, voilà. Il a commencé à avoir peur. Non, effectivement, c'était prévu dans l'attraction, oui. Bien sûr. Mais ça donne des sensations. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai pas eu trop trop peur, juste ouais. Des belles sensations. Super. C'est parti pour le Zombielennium. Néo commence à stresser. C'est pas du tout le genre d'attraction qu'il préfère, mais bon. Allez, c'est parti. Allez, bien Néo là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu penses à combien là-bas? Ça va Néo? Oui, je sais, ça ira bien. A tout à l'heure peut-être. Non, allez, je ferme les yeux. Elle était haut quand même, hein. L'attraction, ça va être la plus effrayante que je vais vivre. Je vais avoir peur de ma vie. On est en haut ou pas? Ouais, on est en haut. Ça descend vite, hein? Ouais. J'en entends rire un, mais pas le deuxième. Bravo Néo! Merci! Ça va Néo, bravo! Ça passe Néo? Ouais, super! Ça va, t'as bien géré Néo, super! Alors, c'était comment? En fait, sur l'attraction où on tombe, c'est vraiment la plus attraction que j'aime le moins, clairement. Je peux te faire le grand vide que tu veux, mais ça, non. T'as bien géré Néo et tu l'as fait. Ouais. Félicitations. C'est bien, faut dépasser ses limites. Hein. Voilà. Ouais, c'est très bien, très très bien. On y retourne? Ouais, on y va. Ouais. Je crois que ça va suffire pour aujourd'hui là. Ah, mais j'ai déjà fait, j'ai déjà fait. Et c'est la fin des sensations fortes. Swan, toi, t'avais deux sensations fortes. T'avais le nid des marsupilamis là qui est derrière nous. Et puis t'avais le Spirou Racing. Qu'est-ce que t'as préféré? Le plus difficile, c'était le nid des marsupilamis. Et mon préféré, c'était celui-là quand même. Et voilà. Et toi, Néo? La tour, c'est que des sensations. C'est. J'avoue, j'ai pas trop profité. T'as eu trop peur? L'hélicoptère, par contre, là, c'est bien. C'est agréable, c'est fluide. Après, la tour, comment dire, c'est vraiment. J'adore les sensations. Oui, c'est vraiment pour les amateurs de sensations très fortes. Donc c'est bien parce que dans ce parc, il y en a pour tous les goûts. Il y a pour les petits, les moyens, les grands et les très téméraires. Donc vraiment, tout le monde peut y trouver son compte. Et vous, dites-nous l'attraction que vous préférez. Dites-nous dans les commentaires. C'est où? Bisous. Enfin, bisous. Vous. Bisous. Un bisou. Bye bye et plein de bisous, plein de courage. Et maintenant pour se remettre de nos émotions, shopping. Allez, c'est parti, on va dans la boutique.